Bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les quadrilatères. Il y a les quadrilatères particuliers et les quadrilatères quelconques. On va commencer tout d'abord par des quadrilatères quelconques. Un quadrilatère quelconque est une figure de géométrie plane constituée de quatre points. On va prendre un exemple. A, B, C, D, c'est un quadrilatère quelconque. Les points A, B, C, D, ce sont les quatre sommets du quadrilatère. Les segments AB, BC, CD et DA, ce sont les quatre côtés du quadrilatère. Les segments AC et BD, ce sont les deux diagonales du quadrilatère. ABC, BCD, CDA et DAB, ce sont les quatre angles du. Les points A et C, ce sont deux sommets opposés. Les points B et D, ce sont deux sommets opposés. Les segments AB et DC, ce sont deux côtés opposés. Les segments AD et BC, ce sont deux segments opposés. Pour nommer un quadrilatère, on cite les points en tournant toujours dans le même sens. A, B, C, D ou B, C, D, A ou C, D, A, B ou D, A, B, C. Ou A, D, C, B ou D, C, B, A ou C, B, A, D. Ou B A D C. Passons maintenant au quadrilatère particulier. On a le trapèze. Le trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Par exemple, le quadrilatère ABCD, il a AB et DC parallèle. Un trapèze peut être aussi un trapèze rectangle si il a un angle droit. Les parallélogrammes, ce sont aussi des quadrilatères. Ce sont des quadrilatères qui ont les côtés opposés, parallèles et isométriques 2 à 2. Par exemple, le quadrilatère ABCD, AB est parallèle à DC et AB est égal à DC. AD est parallèle à BC et AD est égal à BC.
Les diagonales AC et BD se coupent en haut. C'est leur centre de symétrie. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Les angles opposés ABC et ADC, ce sont égaux. Et les angles consécutifs sont supplémentaires. Les angles consécutifs ABC et BCD, ce sont des angles supplémentaires. La somme de leurs mesures est égale à 180. Le rectangle. Qu'est-ce qu'un rectangle? Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits et c'est un parallélogramme. Ces deux diagonales sont de même longueur. Ces côtés opposés, parallèles et isométriques, 2 à 2. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Ces angles consécutifs sont supplémentaires. Par exemple, le rectangle ABCD. AB et CD sont parallèles et égaux. AD et BC sont parallèles et égaux. O, c'est le milieu de BD. O, c'est le milieu de AC. Le carré. Qu'est-ce qu'un carré? Un carré, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés égaux et quatre angles égaux. Le carré, c'est un quadrilatère qui possède toutes les propriétés d'un rectangle, d'un losange et d'un parallélogramme. Prenons par exemple le quadrilatère ABCD. Le quadrilatère ABCD, c'est un carré. AB est égal BC est égal CD est égal DA. Les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. O, c'est le centre de symétrie. AB et DC sont parallèles et égaux. AD et BC sont parallèles et égaux. Ces deux diagonales se coupent en haut et forment un angle droit. Ces angles consécutifs sont supplémentaires. 90 plus 90 égale 180.